Ok les amis, donc nouvelle vidéo aujourd'hui, on va parler des ghost followers. Donc on va voir comment supprimer les ghost followers, qu'est-ce qu'un ghost follower exactement, comment les repérer, avec quelle application, etc. Donc on va voir tout ça ensemble. Donc moi j'ai remarqué qu'il y a très peu de personnes qui parlent des ghost followers. Pourtant c'est un sujet qui est super important, surtout si on veut augmenter son engagement d'audience, son engagement sur son compte Insta, c'est vraiment quelque chose qui est super important. Donc peut-être qu'aujourd'hui tu as beaucoup d'abonnés, mais tu as remarqué que ton niveau d'engagement a largement chuté, c'est-à-dire que tu as beaucoup moins de personnes qui commentent et qui likent tes posts par rapport à ton nombre d'abonnés qui a augmenté. Et ça provient principalement et en partie à cause des ghost followers. Donc les ghost followers, vraiment c'est super important de les supprimer régulièrement afin de garder un bon engagement d'audience. Donc déjà, qu'est-ce qu'un ghost follower? Un ghost follower, c'est tout simplement une personne qui est abonnée à ton compte et qui ne va jamais interagir avec tes publications. Donc ça peut être soit un compte qui est inactif, donc un vieux compte d'une personne qui a changé de compte. Ça peut soit être un robot, ou ça peut soit être des personnes qui font juste du follow and follow avec n'importe quel compte et puis qui se sont abonnés à votre compte mais qui n'interagiront jamais avec votre compte. Donc les ghost followers, tout simplement, en bref, c'est des personnes qui n'interagissent jamais avec vos publications. Donc très simplement, en fait, ils ne servent à rien. Donc déjà, pourquoi supprimer les ghost followers? Tout simplement parce que en supprimant vos ghost followers, vous allez peut-être avoir moins d'abonnés, mais ça va largement augmenter votre niveau d'engagement. Et comme on l'a vu dans d'autres vidéos, le niveau d'engagement, c'est super important sur Instagram, c'est même plus important que son nombre d'abonnés. Donc vraiment, supprimer les ghost followers, ça va augmenter petit à petit notre niveau d'engagement. Donc la première étape pour supprimer totalement vos ghost followers, déjà, ça va être de savoir les repérer. Donc comment les repérer? Donc soit vous le faites manuellement, mais si vous avez plus de 1000 abonnés, en clair, ça va être quasiment impossible. Ou alors vous utilisez une application. Donc moi j'utilise Ghost Follower Inside et ça permet tout simplement de voir tous vos analytics par rapport à vos abonnés et notamment vos Ghost Followers. Donc ça va repérer quelles personnes sont abonnées à votre compte depuis longtemps mais n'interagissent jamais avec votre compte. Et à partir de ça, ça va vous donner une petite liste et vous allez tout simplement pouvoir les repérer et ensuite les supprimer. Donc moi ce que je te conseille de faire, c'est de faire ça au moins une fois par mois, même si tu en supprimes que 50 ou 100, ça sera largement utile et ça va largement augmenter ton engagement d'audience. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant avec Instagram, on pouvait pas désabonner directement des personnes de notre compte. C'est-à-dire que si on voulait que quelqu'un se désabonne de notre compte, il fallait soit le bloquer totalement, soit le bloquer et directement le débloquer dans la foulée pour qu'il soit plus abonné à notre compte. Mais maintenant, Instagram a rajouté une fonctionnalité en 2018. Tout simplement, quand tu vas dans tes abonnements, t'as trois petits points à côté d'une personne. Donc, tu cliques sur les trois petits points et tu peux directement désabonner une personne. Ensuite, la dernière chose qu'il faut savoir, c'est que Instagram fait lui-même une purge tous les ans. C'est-à-dire qu'il va regarder sur tous les comptes, il va supprimer tous les comptes inactifs. Par exemple, en 2018, il y a Selena Gomez qui a perdu plusieurs millions d'abonnés en une seule nuit. Et t'as plein de comptes qui ont perdu comme ça des abonnés du jour au lendemain. Donc, tout le monde s'est inquiété au départ. Mais en fait, c'est tout à fait normal puisque Instagram fait sa purge puisqu'ils savent bien que son réseau social est totalement infecté par les comptes inactifs. Et donc, il fait une purge, il supprime tous les comptes inactifs. Ce qui fait que sur le long terme, Instagram reste un meilleur réseau social et un réseau social avec beaucoup d'utilisateurs, mais surtout des utilisateurs qui sont actifs. Donc pour résumer, en clair, les ghost followers, faut absolument les supprimer pour augmenter son engagement d'audience. Donc pour ça, tu utilises une application. Tu marques Follower Insight sur l'App Store, sur Google Play Store, et tu vas trouver plusieurs applications qui permettent de faire ça, qui permettent de repérer les ghost followers. Ensuite, t'en supprimes. Donc moi, je te conseille de le faire tous les mois. Et enfin, ce qu'il faut savoir, c'est que Instagram le fait aussi au moins une fois par an lui-même. Donc c'est tout pour cette vidéo. Donc si t'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à t'abonner. Je sors une vidéo tous les jours. On parle principalement de comment gagner de l'argent sur Instagram, de comment augmenter son audience et surtout comment être vraiment libre grâce à Instagram. Donc si t'as pas aussi téléchargé mon ebook qui parle des 3 étapes indispensables pour gagner de l'argent sur Instagram, je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description. Tu vas recevoir mon ebook totalement gratuitement. Et en plus de ça, chaque jour, sans faute, tu vas recevoir des mails qui te donnent des conseils exclusifs que je ne partage nulle part ailleurs. C'est des conseils précis et exclusifs qui sont réservés seulement aux inscrits de ma liste email. Donc je t'invite à t'abonner. Tout ça se passe dans le premier lien dans la description. Et moi je te dis à la prochaine.